Bonjour à tous, et ben voilà, je vous ai laissé à la deuxième partie de la vidéo avec le temple à cet endroit là. Donc on avait cintré les arbalétriers et j'ai pas mal avancé entre temps, et il y a toute une face, toute la face arrière du temple qui est maintenant recouverte de bardeaux de bois. Le temple a été peint en rouge avec de la couleur que j'avais récupérée de chez ma mère. Et j'ai même fait un côté avec des panneaux. Donc encore une fois, tout est fait en palette. J'en ai dépaletté beaucoup. J'ai récupéré beaucoup de lames, enlevé beaucoup de clous. Et après, il a fallu raboter et usiner chaque bardeau. Rien que sur cette face-là, tout entière, il y en a 172. Et il reste l'étage et l'autre côté entièrement. Donc j'ai encore du travail devant moi, et c'est ce que je vais vous filmer et vous montrer. Comme ça, après, vous pourrez refaire du bardeau comme ça sur vos aventures à vous. Vous allez voir ça. Donc voilà les lithos. Donc là, vraiment rien de compliqué. C'est toujours du bois de palette. Je l'ai coupé en lamelles à peu près carrées. Et après, je l'ai disposé pour pouvoir tracer l'emplacement des vis et découper le bout des lithos, histoire que ce soit un petit peu plus joli. Voilà, ils sont assez bruts, hein. De toute façon, ça se verra pas beaucoup. Et par contre, le truc un petit peu compliqué, c'est de l'espacement des lithos. Donc là, ça dépend de la longueur de vos bardeaux. J'ai fait des bardeaux de 20 cm de long, et au final ça fait que mes deux premiers lithos sont espacés de 12,5 cm, et après tous les autres lithos sont séparés de 8 cm. Ça permet d'avoir un double recouvrement. Donc là par exemple, on voit que ici il y a le haut d'un bardeau qui est recouvert par le bardeau du dessus, mais aussi le deuxième bardeau au dessus. Comme ça l'eau elle peut pas s'infiltrer entre les différents bardeaux et tomber à l'intérieur du temple. Donc voilà pour pouvoir couper les bardeaux à partir des palettes. Donc la radiole Festool qui marche quand même pas mal. J'ai raccordé un tuyau d'aspirateur. J'ai réglé la cale de butée pour les découper toutes à la même longueur. Et surtout ici, je me suis mis ma petite poubelle pour les chutes. Comme ça, j'en ai pas partout. Et donc à partir de là, c'est parti. Donc, vous avez pu voir, j'ai coupé quand même pas mal de bardeaux, c'est chouette. Et maintenant, donc, il va falloir les aligner, les mettre par rangée sur la charpente, savoir où tombe chaque bardeau. Et pour ça, on les installe et après, on vient noter derrière la référence du bardeau. Donc là, la ligne A, premier bardeau. La ligne A, deuxième bardeau, etc. Et ça, ça permet donc de se faire des piles avec chaque bardeau. Donc là, toute la pile A. Et après, de pouvoir calpiner la pile B. Je vous montre. Donc les bardeaux doivent toujours se croiser. Donc la première ligne, elle est là. Donc le deuxième bardeau, il va venir comme ça, histoire d'avoir vraiment un quinconce au niveau des bardeaux. Et on va pouvoir venir du coup les installer. Là, je les ai déjà repérés, mais c'est un petit jeu de Tetris où il faut trouver la bonne largeur de bardeau, parce qu'on va pas s'amuser à tous les découper. Et donc si à un moment donné vous voyez qu'il y a un bardeau qui va pas ou qui est trop près de la jonction des deux bardeaux du bas, on peut dire quelque chose comme ça, et bah faut trouver un bardeau plus fin, histoire que chaque bardeau se retrouve à peu près au milieu de celui d'en bas. Et pour la partie d'après, c'est pareil. Donc il va falloir partir comme ça. Voilà. Donc chaque rangée comme ça. Là, j'en ai déjà repéré 5 rangées. Donc là, c'est la rangée B. Chaque bardeau va être noté.
Et après, je constitue des piles et je vais pouvoir les usiner par pile tranquillement. Donc, là, pour les premières rangées de bardeaux, on a une petite complication. C'est que les bardeaux, les premières rangées de bardeaux sont un peu trop épaisses. Donc du coup, si je viens fixer sur le litho les bardeaux, ils vont rebiquer. Et un, c'est très très moche, et deux, c'est vraiment pas efficace pour lutter contre la pluie. Donc pour éviter ça, il va falloir découper en biseau le bardeau de la première ligne. Et donc là, si je le mets celui-là pour vous montrer, voilà, donc le premier est bien calé sur son litho, et quand on met le deuxième, on voit qu'il n'arbitre plus du tout. Donc ça, par contre, c'est un usinage qui est assez risqué à faire, assez tendu, parce que je le fais à la scie radiale. Et je vais vous montrer un petit peu, mais il ne faut pas forcément reproduire ça chez soi quand on n'a pas confiance dans la machine. Pour découper les bardeaux en angle comme ça, c'est assez dangereux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un gros bout de bois, une grosse bûche qui a une face bien plate. Et à l'arrière, vous voyez qu'il y a une petite butée. Donc c'est un bout de bois que j'ai mis au bout là. Et donc il va falloir positionner le bardeau avec la face inférieure collée contre le bout de bois. Le tenir avec le pouce ici. Et la radiale, je lui ai donné un angle de 6 degrés. Voilà, donc là, on va pouvoir taper comme ça. Donc bien sûr, ça n'arrive pas jusqu'à mon pouce, autrement ce serait un petit peu dangereux. Et là, on va pouvoir découper. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça y est, vous avez devant les yeux les 330 bardeaux pour le côté sud du temple japonais pour les cailles. Ça en fait du bout de bois, tout a été coupé. Donc maintenant il va falloir les usiner pour que ça soit joli en bas du bardeau, donc avec une découpe à 45. Et après, sur les côtés, une petite découpe à 45 aussi, juste pour le côté esthétique. Tout poncer, et après, visser, installer sur la charpente. Donc, pour découper le pied du bardeau, toujours à la scie radiale, on la met à 45 degrés dans un sens, on met une bonne cale ici, et après, on vient découper ça, juste la petite languette. Donc ça y est, une nouvelle étape est faite. Les 330 bardeaux sont usinés avec 3 découpes à 45, une dans la longueur et une de chaque côté pour que ce soit joli. Donc 990 découpes à la radiale, je commence à en avoir un petit peu marre. Mais là, du coup, on va se mettre à poncer donc toute la face visible des bardeaux, pas le dessous. Et pour ça, j'ai installé la ponceuse à bande à l'envers. Et ça va me permettre de les passer facilement les 330. Autant dire que la soirée n'est pas terminée. Pour ça, je me suis pris un petit café.
Bon bah c'est bon, maintenant vous savez comment faire des bardeaux de bois. Et si comme moi, après 500 bardeaux, vous en avez vraiment marre, vous pouvez sortir le hamac. À bientôt, et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Bye bye.